Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prendre note des informations suivantes. Ladies and gentlemen, you are kindly requested to take note of the following information. السيدات والسادة برجاء ملاحظة المعلومات التالية. Senhoras e senhores, solicitamos que tomem nota das seguintes informações. Pour le français, appuyez sur 1. For English, press 2. L'arabeia et droite connaît teleta. Para português, pressionar o botão 4. Senhoras e senhores, solicitamos que tomem nota das seguintes informações. Pour le français, appuyez sur 1. For English, press 2. L'arabeia et droite connaît teleta. Para português, pressionar o botão 4. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureux de nous voir tous ici réunis de la sorte. Les 54 présidents des clubs de la CAF dans le continent tout entier. Je vous souhaite une bienvenue toute spéciale. En particulier à mon frère Gianni, je suis très heureux de vous voir ici. Je suis très heureux également que le ministre des Sports d'Égypte soit là. C'est un honneur pour nous. De même que le ministre du Cameroun et les autres membres des délégations. Vous êtes tous les bienvenus. Aujourd'hui est une journée très importante. C'est la poursuite de l'excellente réunion que nous avons tenue à Rabat. Le processus très important dans lequel nous sommes tous engagés va nous permettre de faire du football africain un football de classe, et ceci avec l'appui à moyen et à court et à long terme, nous allons très certainement réaliser nos objectifs. Avant de commencer notre assemblée, je voudrais vous informer, et si vous regardez votre ordre du jour, ce sont les recettes provenant des éliminatoires, et puis ensuite nous allons également signer un accord très important qui concerne les arbitres et Colina. Et quand je voyais ses grands yeux, eh bien, je n'avais qu'à suivre ses instructions. Et Hassan également, qui est très important et qui nous a fait une excellente présentation la dernière fois. Bien sûr, sous d'hiver, nous allons également parler des compétitions scolaires interafricaines. C'est très important car nous avons besoin de certains frères Vérone pour nous présenter le point 2 de l'ordre du jour qui est l'appel. Merci, Monsieur le Président. Présente Algérie. Présent. Angola. Présent. Bénin. Bénin. Oh, présent. Botswana, Burkina Faso,
Burundi. Présent. Cameroun. Présent. Cap-Vert. Présent. Comores. Présent. Congo. Congo-Brazzaville. Congo. Présent. Côte d'Ivoire. Présent. Djibouti. Présent. Égypte. Présent. Érythrée. Présent. Eswatini. Présent. Éthiopie. Présent. Égypte. Gabon. Présent. Érythrée. Présent. Gambie. Présent. Ghana. Éthiopie. Présent. Guinée. Gabon. Guinée. Oui, présent. Gambie. Guinée équatoriale. Présent. Ghana. Guinée-Bissau. Guinée. Guinée-Bissau, présent. Guinée. Kenya. Guinée équatoriale. Kenya. Kenya n'est pas là. Suivant. Lesotho. Guinée-Bissau. Présent. Libéria. Présent. Présent, Libéria, oui. Libye. Bien. Présent. Lesotho. Madagascar. Présent. Madagascar. Présent. Madagascar n'est pas là. Présent, Libéria. Malawi. Présent. Madagascar. Mali. Présent. Madagascar. Maroc. Présent. Malawi. Île Maurice. Présent. Présent. Mali. Mauritanie. Si, présente. Maroc. Mozambique. Présent. Présent, oui. Bien. Namibie. Présent. Mauritanie. Niger. Présent. Nigeria. Présent. Namibie. Ouganda. Présent. Niger. République démocratique du Congo. Nigeria. Présent. République centrafricaine. Présente. Ouganda. Présent. Rwanda. République démocratique du Congo. Rwanda, oui, présent. Sao Tomé et Principe. République présent. Sénégal. Présent. Seychelles. Rwanda. Présent. Rwanda, oui. Sierra Leone. Sao Tomé et présent. Principe. Somalie. Sénégal. Somalie, oui, présent. Seychelles. Soudan. Présent. Sierra Leone. Soudan du Sud. Somalie. Présent. Tanzanie. Présent. Tchad. Soudan. Présent. Togo. Soudan du Sud. Togo. Présent. Tanzanie. Tunisie. Présent. Tchad. Zambie. Zambie est présente. Oui. Zimbabwe. Tunisie. Zimbabwe, ok. Présent. Yes, présent. Zambie. Thank you, mon frère. Merci beaucoup, mon frère Véron. Nous allons maintenant en venir au point 3 de l'ordre du jour, à savoir la vérification
et la notification de l'Assemblée générale qui est conforme au statut. Et pour cela, je vais donner la parole au secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. Le 16 juillet, le comité a décidé des dates également et par le secrétariat de la CAF, et ceci conformément au paragraphe 10 et 16. C'est ainsi que nous pouvons dire que cette assemblée a été convoquée conformément au statut de la CAF. Merci, mon frère Véron. Nous avons commencé maintenant une nouvelle culture à la CAF depuis les élections, en particulier au sein de l'Exco et aussi quand nous nous réunissons comme aujourd'hui en tenant compte par une petite prière, une prière silencieuse, demandant à Dieu, demandant à Allah de nous accompagner, d'être avec nous. Et nous allons le faire en deux parties. Tout d'abord, je voudrais que nous observions une minute de silence à la mémoire et les autres confédérations qui nous ont quittés, qui sont donc décédées. Je voudrais être silencieuse. Commençons donc par la minute de silence en mémoire des disparus. Une minute de silence, s'il vous plaît. May their souls rest in peace, and I'm que leurs âmes reposent en paix. Et je vais vous demander maintenant de passer une longue et de demander à Dieu le football et améliorer la vie de millions de personnes. Et je vous demande donc ici de procéder à une minute de prière silencieuse. Thank you so very much. We're going to move a bit fast. Merci beaucoup. Nous allons essayer de maintenant d'aller un petit peu plus rapidement, car il y a eu beaucoup de réunions très fructueuses que nous avons tenues l'année dernière en particulier. Et je pense que nous pourrons alors terminer un peu plus rapidement que nous le pensions. Je vais donc demander à mon frère Ahmed hier, qui a fait un excellent travail. Nous étions hier avec Hani, un endroit magnifique, et nous voulons remercier le gouvernement et le peuple de l'Égypte de nous y avoir accueillis. Applaudissons-les donc. Merci, merci, Monsieur le Président. Au nom de Dieu. Miséricordieux, son Excellence Monsieur Achraf Sadri, ministre de la Jeunesse et du Sport, Monsieur Contini, président de la CAF, Messieurs les présidents des différentes commissions, bienvenue à tous nos invités en Égypte, l'Égypte qui espère être toujours le lieu de rencontre de tous ceux qui aiment le sport. Et nous souhaitons que tous ces points de rencontre et de resserrement des liens entre nos pays demeurent grâce au football pour que nous puissions rejoindre nos buts. Il s'agit de l'entente d'être contre tout racisme, contre toute violence entre nos peuples. Mesdames et messieurs, hier vous étiez avec nous et nous allons continuer notre parcours pour que le football puisse être en bénéficié. Nous aurons le nouveau siège avec une grande aide de l'Union nationale de football, ce qui va nous aider à réaliser et à appuyer aussi l'Union égyptienne. Nous sommes aujourd'hui heureux de vous faire entendre tous ces pas qui ont été entrepris pour que le football puisse avancer. Mesdames et messieurs, en cette
rencontre historique, c'est ce qui fait partie intégrante du football africain pour que nous puissions vraiment rejoindre le football du monde entier. À tous les niveaux, vous vous penchez sur le football, car Dieu nous a dit, Dieu récompense ceux qui fournissent des efforts. Et quand lorsqu'il s'agit des stratégies d'un pays, ici dans notre pays, avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui se penche beaucoup pour investir dans l'être humain et pour que le nationalisme règne sur notre continent africain. À nouveau, bienvenue dans votre pays, l'Égypte, qui aime la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prière et paix sur vous tous. We are supposed to play this video now, Nous sommes supposés vous présenter une vidéo qui représente l'Égypte. Minister, what a beautiful country, and the infrastructure developments, the roads. Le développement de l'infrastructure et la gestion, tout ceci, bien sûr, repose sur vous. Et les Égyptiens ont voulu que vous puissiez voir leur contribution. Mon frère, le ministre, vous applaudir, Monsieur le ministre du Sport et de la Jeunesse d'Égypte. Monsieur Saïd Dr Patris Metsepi, Raïs Al-Tahad l'Afrique. Monsieur le Président Général de la FIFA, Monsieur le Président de la CAF, Messieurs les membres, bienvenue sur cette terre d'Égypte, berceau de la civilisation. Pour toutes les réunions suivantes, notre continent africain. Dans ce continent, l'avenir souhaite être toujours présent, répondre à toutes ses aspirations et pour mesdames et messieurs, au football d'une manière de complémentarité, de prendre les objectifs requis, occupe une meilleure égalité avec le football de l'Égypte de M. Abdel, sport africain, ainsi que je tiens à remercier de. Je rappuie la FIFA concernant M. Des générations, car l'Égypte africaine est un intérêt très grand pour le peuple égyptien, mais pour tout, et qui va se répercuter lorsque il est de l'autre, pour rechercher d'autres. Et la CAF, M. Pasolini, vraiment ici, de s'assurer que M. Infantil, merci beaucoup.
ministre des Sports, mes chers, je vous égyptiens, monsieur Hani, chers membres de l'Exco, et surtout nos frères et sœurs, nous donnent l'Assemblée. C'est une Assemblée générale extraordinaire, très brillante, et que nous puissions échanger l'Assemblée générale après que le Congrès, grâce à l'élection, à l'une des raisons qui nous ont réunis, nous avons inauguré tout à fait, maintenant après les pyramides, on peut encore construire des choses remarquables de la FIFA qui est de novembre au 28 décembre 2022. Et là, nous aurons alors et être témoin des installations remarquables qui ont été dites une fois que nous avons y contribué. Bien sûr, nous avons auparavant la CATUS et bientôt, bien sûr, il y a également les éliminatoires pour les 10 équipes qui vont devenir 5 et cela va nous amener à être témoin de donner le championnat d'Afrique où Al Ahly va jouer également. Et nous attendons de rencontrer nos amis égyptiens à cette occasion. Cela sera une année difficile, nous le savons. Ramener l'aide pour mettre en place des protocoles divers que nous n'aurions pas pu réaliser sans cela. Nous avons toujours essayé de voir que nous devons jouer pour les équipes nationales et bien sûr, il y a là une question de solidarité et dans les compétitions qui est essentielle entre nous. Également avec le fonds d'urgence accordé pour traiter le Covid, nous avons pu aussi de la part de la FIFA vis-à-vis du football mondial, du football africain, pour aider tout un chacun parce que la FIFA aujourd'hui est une organisation solide et forte. Il y a certains sujets que je voudrais mentionner ici. Et j'espère que vous pourrez les approuver également. Je voudrais également dire quelques mots à ce sujet. Tout d'abord, c'est une question d'infrastructure africaine représentant du football africain. Cela a été, mon frère Fauzi nous a bien montré, un professionnel. Ceci a besoin de temps, d'investissement, d'investisseurs et nous, que nous allons faire. Est-ce que nous avons besoin de tenir une Coupe mondiale chaque 2 ans ou pas? On nous a donné que pour mandat, avec 88% de votes en faveur, on nous a donc donné mandat de mener à bien une étude de faisabilité pour savoir si c'était vraiment important de tenir une Coupe mondiale tous les 2 ans. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de protéger le football. Nous devons nous assurer que le football demeure significatif pour la jeune génération. Et je voudrais le dire en particulier pour un continent tel que l'Afrique, où plus de 40% de la population est composée de moins de 20 ans. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous devons nous concentrer. Nous avons déjà commencé avec les matchs masculins et ensuite avec les matchs de football féminin sous l'égide de Jane Ellis. Et nous pouvons voir alors combien ils sont enthousiastes et combien ils sont disposés à ouvrir et à donner des possibilités à tout un chacun. Contre, eh bien, tout ceci, ce sont des consultations démocratiques. Le débat, de toute évidence, nous montre que ceux qui sont contre sont ceux qui sont tout au sommet. Cela arrive dans tous les secteurs
Cela se passe dans tous les secteurs. Ils sont évidemment aux postes les plus élevés et ils craignent que leur position de leadership ne soit mise à épreuve jusqu'aux postes les plus élevés. C'est là un exemple pour tout le monde. La mobilité au football. Nous ne devons pas oublier le football féminin, le football des jeunes, et ceci faisant partie de nos compétitions chaque année dans des continents tels que l'Afrique où les matchs de jeunes ne se tiennent que tous les deux ans. Nous perdons toujours une génération. Si nous n'avons pas les bonnes idées, nous risquons de ne pas avoir la possibilité d'agir et d'améliorer nos capacités. Nous allons donc continuer à nous consulter. Nous continuons à échanger et nous vous remercions de vos opinions, de tout l'apport que vous nous donnez. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai de vous donner également la possibilité de prendre la parole, d'exprimer votre opinion, d'avoir une voix qui se fasse entendre avant que n'importe quelle décision ne soit prise. Ceci, c'est l'inclusion. C'est la lutte contre la discrimination d'une façon réelle et d'une façon qui nous permettra d'aller de l'avant et de nous concentrer sur nos compétitions, nos matchs. Et il s'agira là d'un autre sujet qui apparaîtra à notre ordre du jour un peu plus tard. Il s'agit de la Super League. Mais nous voudrions parler ici aussi du football. Comment faire du football? Nous sommes ici aussi aujourd'hui et nous pouvons dire qu'il est important de penser le football, non pas comme une voie pour le football dans le monde, puisse briller sur la scène mondiale et la scène. Quand il s'agira des Super Leagues à l'avenir pour le football. Parlant de coopération. Mentionné, comme le président l'a dit, pour la première fois, on a permis à la FIFA de commercialiser les droits afin de pouvoir obtenir de bons résultats pour ce sport, je crois, qui a accru sa valeur malgré le Covid. En même temps, nous avons été en mesure de réduire les coûts de 50% par rapport au passé. De plus, il y aura 36 millions qui vont aller au football africain, et ceci pendant que sévit le Covid. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas parce que la FIFA est un magicien, mais c'est parce que nous avons travaillé ensemble pour convaincre les investisseurs, les convaincre d'acheter ces droits. Ce n'est que le début. Nous voulons, grâce à cela, faire en sorte d'accroître l'appétit du football africain, l'appétit pour le football africain, et à partir de ce succès, assurer 40% de recettes supplémentaires qui seront distribuées aux associations de football en Afrique. Un autre sujet, ce sera l'arbitrage que nous aborderons à la fin de cette assemblée extraordinaire. Sans arbitre, il n'y a pas de football. Et bien sûr, les arbitres peuvent aussi se tromper et faire des erreurs comme tout le monde. Nous en savons quelque chose, nous l'avons expérimenté et je peux vous dire qu'il y aura maintenant des VAR dans tous les matchs afin de nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de l'arbitrage et que les arbitres se trouvent dans la meilleure condition possible afin d'agir au mieux. Comment peut-on le faire aujourd'hui? Comment pouvons-nous changer les structures? Nous sommes en partenariat maintenant entre la FIFA et la CAF afin de professionnaliser l'arbitrage, afin de prendre les meilleurs arbitres en Afrique, de les évaluer
de les aider à s'améliorer de mieux en mieux, en particulier leur offrir la formation nécessaire et l'entraînement nécessaire pour que, à leur tour, ils puissent servir d'instructeurs aux jeunes éléments en Afrique et passer, ceci se passe toujours et continuera. Nous devons savoir que l'on peut aller de mieux en mieux, de développement en développement dans le football mondial et que nous en parlerons plus tard. Pierluigi Colina va vous en parler et c'est véritablement un expert en matière d'arbitrage. C'est lui qui a établi ce projet avec certains d'entre vous. Et nous allons le mettre en œuvre ensemble afin de donner aux arbitres africains ce qu'ils méritent et ce qui est le mieux. Bien sûr, j'ai parlé déjà trop longtemps et je vous prie de m'en excuser, car je vois qu'il y a là des choses qui concernent les enfants, les jeunes, l'éducation, le football des jeunes. Tout ceci nous est très proche et proche de notre cœur. Nous vous félicitons donc d'avoir organisé la première Ligue des champions féminines. Et de nouveau, c'est une bonne étape, une première étape dans une direction appropriée. Il s'agit donc d'innovation, de changement et de progrès, comme je l'ai déjà dit. Patrice Motsepe, de son dévouement, de son engagement, de son enthousiasme, car nous travaillons tous ici en Afrique pour le bénéfice de l'Afrique. Merci beaucoup. Vive le football et vive l'Afrique. Let's keep up the great work. Thank you very much to everyone. Shukran jazilan. Merci beaucoup. Vive le football et vive l'Afrique. Thank you very much. The video on. I hope I'm not. Today it's about football. Bien sûr, aujourd'hui c'est le football. Nous avons besoin de parler football avec des millions et des millions d'Africains qui suivent ce jeu. Bonjour, c'est la CAF. And represents Africa with dignity and excellence. You saw the beautiful talent. The biggest investment we can make in African football is to invest in schools football as well as in youth football for boys and girls at school level and club level as well as at national level. I am ready, CAF is ready to partner with you, to partner with our minister, to partner with my brother. Et nous continuons. But before I start, avant de commencer, parce que pour
and all the other speakers. So just a few quick remarks. I want to start with a... Je voudrais commencer par vous raconter une histoire. Il y a de cela quelques mois. Le président avait dit qu'il faudrait que tous les villages dans les régions rurales de l'Afrique soient aidés pour que les enfants obtiennent de bons résultats. Et le directeur qui est de ces enfants m'a dit, une des choses que je voudrais faire pour ces enfants, c'est de dire à ces jeunes de ne jamais perdre l'espoir, de ne jamais cesser de rêver, car ceci serait mauvais pour eux. Et j'ai dit, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Ils ont déjà obtenu de bons résultats. Parce que vous voyez, lorsque ces enfants retournent chez eux, et tant d'années après que la démocratie ait été instaurée en Afrique du Sud, et que rien n'avait beaucoup changé, les gens font des promesses qui ne tiennent pas. Peut-être que nous ne sommes pas suffisamment ambitieux comme nous aurions dû l'être. Et ce message pourrait s'appliquer au football africain. C'est un élément clé pour équilibrer l'être humain. Tout à fait comme ces jeunes à l'école, comme les peuples en Afrique du Sud, comme tous les peuples de l'Afrique doivent penser à un avenir meilleur, à un avenir brillant. Lorsqu'ils seront, ils le feront, cela arrivera. Et c'est un message qui est aussi important pour le football en Afrique. C'est un message qui est très lié à ce progrès dans le domaine du football. Si chaque pays et chaque association membre sur le continent pouvait arriver à le faire, vous voyez, on pourrait faire encore mieux. Parce que lorsque nous sommes tous enthousiastes et que nous avons de bons plans, on peut progresser très vite parce que nous sommes motivés. Et je voudrais souligner en disant que pour moi-même, je peux dire que ce continent a produit les meilleurs joueurs que le monde ait vu. Les enfants en Europe qui s'intéressent au football le savent. Et l'un de nos objectifs, c'est que... Et ça doit être un de nos objectifs, un de nos rêves, un de nos espoirs. Une nation africaine doit vite, très vite, être mondiale. Et veuillez applaudir cela. Parce que lorsque vous voyez dans le monde, vous êtes bien vu, les gens vous respectent. Si le club de football ou la nation d'un football ne remporte pas des buts, des points, alors le football ne sera pas bien vu. Et car ici, mais les résultats que nous avons obtenus font que le monde entier respecte le football et reconnaisse que le football africain est quelque chose d'attrayant. Parce que ce n'est pas seulement en Afrique qu'on doit être enthousiaste concernant le football. Le reste du monde doit être également aussi enthousiaste et voir et savoir que toutes nos associations de football, également que nos équipes nationales, sont bien vues. Parce que ça, c'est, permettez-moi de dire que c'est un bénéfice. C'est pour cela qu'il faut payer davantage les joueurs, donner toutes les facilités pour que le football africain soit parmi les meilleurs du monde. Mais il y a peut-être j'ai un peu d'impatience de pourquoi
parce que nous devons être impatients, parce que nous voulons obtenir des résultats. Nous voulons obtenir des résultats visibles, des résultats que l'on peut compter, des résultats qui apportent la confiance, des résultats qui sont vus, perçus, des résultats importants nécessitent du temps. C'est pour cela que nous devons ensemble travailler et investir dans nos jeunes, avoir des écoles de football. Et nous sommes heureux et fiers de voir que les fondations familiales ont contribué à $1 million pour le football. Nous voulons des écoles de football sur l'ensemble du continent parce qu'il y a une fondation et bien sûr, il y a le basketball, les gens du basketball ont commencé il y a plusieurs années et ils ont eu de l'argent pour développer le basketball. Maintenant, nous devons concurrencer avec, non seulement avec le basket, avec l'athlétisme, mais avec le football. Nous voulons que le football soit le sport numéro un en Afrique. Et vous obtenez ce que vous investissez. Vous, en fait, vous payez, mais vous recevez. Vous investissez lorsque vous avez des écoles pour les jeunes, lorsque vous investissez pour les jeunes dans toute association membre, jeunes, filles, garçons. Vous devez investir dans les compétitions parce que nos compétitions représentent le tout. J'ai eu une très bonne réunion l'autre jour avec un de nos grands sponsors. Il m'a dit, et c'était quelque temps, s'il vous plaît, nous devons commencer les jeux à temps. Nous devons jouer le football sur les terrains dans les classes du monde. Nous voulons des millions de personnes en Afrique et dans le monde adorent le football. Lorsqu'ils voient le football sur la TV, c'est une excellente expérience. C'est pour cela que mon frère Gianni, lorsqu'il va parler aujourd'hui des critiques, c'est très important. Nous saluons les bons arbitres. Et ces arbitres, lorsque l'arbitre n'était pas très bon, et même des arbitres qui ont besoin d'être formés, de nous assurer, et aussi de les payer, de leur donner un bon paiement. Parce que c'est une carrière de devenir arbitre. Nous nous réunissons aujourd'hui pour la première fois, nous, les 24 membres de la CAF, et je vais vous dire quoi. Lors de la réunion de l'Exco, l'un des membres m'a dit, « Savez-vous, Monsieur le Président, que nous nous sommes réunis 6 fois cette année en tant qu'Exco ? Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la CAF que l'Exco se soit réuni. » Et très vite, et si souvent, et aussi dans l'histoire de la CAF, c'est la première fois que les 54 membres se réunissent 3 fois par an. C'est délibéré, intentionnel de ma part, en tant que, et avec les vice-présidents qui sont à mes côtés. Cette organisation vous appartient et voudrait que vous sachiez quels sont les enjeux, les problèmes, les difficultés et que vous sachiez aussi que ce que vous faites à court terme, et nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons toujours mettre le doigt sur l'un de nos points clés, le financement, le besoin de ressources. C'est pour cela que les discussions pour le financement sont très importantes et avec les Super Ligues parce que toutes nos compétitions ont déjà des sponsors. Si vous regardez les documents que nous avons donnés distribués, vous verrez que nous avions eu beaucoup de problèmes dans le passé, des problèmes d'absence de gouvernance, d'absence de beaucoup de choses. Et lorsqu'il s'agit de fixer certains procédés, on pourrait avancer. Maintenant, en tant que nouveau leadership,
Il ne faut pas s'arrêter sur les problèmes du passé. Nous connaissons tous les problèmes du passé. Notre tâche maintenant, c'est d'améliorer. Et ensemble, tous, à moyen et à long terme, j'ai pleine confiance que nos finances seront mieux. C'est pour cela que les Super Leagues sont importantes. Parce que et avec les sponsors, l'un de nos grands sponsors, c'est quelqu'un qui a été avec nous pendant de longues années. Nous nous rencontrons tous les ans dans un des forums économiques les plus importants du monde. Et il dit, je suis très heureux de vous voir et je suis heureux de voir que vous êtes devenu président de la CAF. J'ai dit, pardon, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Si vous me donnez beaucoup d'argent, je vous serre la main. Et bien, c'était un ami. Mais le football a besoin de ressources. Le football africain a besoin d'argent. Pourquoi ? Pour l'infrastructure, pour former nos arbitres, continuer avec la gouvernance, avec honnêteté, intégrité. Mais nous tous, parce que c'est très bien que la meilleure idée ne vient pas du président simplement, mais des gens avec lesquels il travaille. Et je veux dire que j'ai été vraiment heureux de travailler avec chacun des présidents membres de toutes les associations. Et Excu a montré qu'il était vraiment impatient pour faire avancer le football. Je voudrais applaudir tous les leaders de la CAF. Et c'est monsieur, les gens qui aident l'Afrique, les gens qui se sont tournés vers l'Afrique, les gens qui se sont sacrifiés pour le football africain. Ce sont des gens que nous devons admirer. Et après avoir fait d'excellentes présentations à Kigali, je vois Mathias ici, tout un chacun dans la FIFA. Nous sommes des partenaires avec tout le monde, dans le monde entier, pour travailler avec nous, pour que le football africain avance. Et je ne suis pas seulement, je peux simplement vous dire que je suis fier de votre travail, mais nous savons que vous venez de l'Europe ou de l'Amérique, vous êtes là et vous faites ce que vous faites pour l'Afrique. Nous devons tous contribuer, travailler ensemble dans l'intérêt du continent. S'il vous plaît, voulez-vous applaudir Gianni et la FIFA pour leur contribution? Et puis maintenant, nos frères ici du Cameroun, il y a toujours des enjeux, mais on peut toujours améliorer. On peut toujours améliorer. Mais ce que j'aimerais, c'est que l'engagement, la passion que j'ai vue lors de ma visite au Cameroun, et j'ai vu qu'il y avait certains points qui était fixé déjà, mais nous voulons montrer l'Afrique, nous voulons montrer l'hospitalité, l'amour, la passion des Camerounais pour le football du continent. Je me souviens, je peux danser comme Rajamila, quand j'ai vu Rajamila avec tous les scores du football. Et regardez, tous les Africains, j'aimerais danser comme ça, comme seulement les Africains danser ainsi. Vous verrez l'Afrique agir très bien. J'ai confiance que vous allez faire que AFCON sera admirable au Cameroun. Merci d'être ici, mon frère, le ministre du Sport. Merci pour votre patience, votre engagement. Merci à notre président pour le partenariat. Parce que l'un de mes devoirs à la CAF, lorsque je visite chaque pays, c'est de m'assurer que chaque partenariat, d'abord commence avec le président, le chef de l'État, le ministre du Sport, le leadership du football dans le pays. Car la force de la CAF, ce n'est pas simplement
une personne, mais la force de la CAF commence avec la force de chaque association de football dans les 54 pays. C'est pour cela qu'il faudrait se concentrer sur le chef de l'État, le président. Malheureusement, je ne les connais pas tous, mais je sais que nous avons besoin qu'ils ont besoin d'argent et il faut les aider. Et nous avons besoin du ministre des Sports. Vous êtes ici un excellent exemple. Nous avons besoin aussi du secteur privé pour travailler ensemble, avec toutes ces parties qui travaillent ensemble. Bon, alors, merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, Véron? C'est vous qui devez me guider et me dire ce que je dois faire. Ah, vous avez quelque chose pour moi? Très bien. Merci beaucoup. Essayons d'aller rapidement et de faire le travail que nous devons réaliser le plus rapidement possible. Comme je vous l'ai dit, nous tiendrons au mois de mars ou d'avril un atelier où il y aura les 45 présidents qui seront réunis et ils pourront alors se concentrer sur la question clé par rapport à notre travail. Véron, s'il vous plaît, je vais vous donner la parole maintenant. Nous sommes au point 5 de l'ordre du jour, désignation de trois membres chargés de la vérification du procès-verbal officiel. Non pas, monsieur, vous avez éteint votre micro. Merci, monsieur le président. Je voudrais simplement confirmer que nous avons là 52 membres présents sur 54 et par conséquent, nous avons le corps. Le Togo pour le français, le Ghana pour l'anglais et l'Algérie pour l'arabe. Green card. I want to see Si vous êtes en faveur, levez vos cartons verts. Je veux voir les cartons verts. Je vais aussi élever ma carte de la FIFA. Très bien. Et si vous êtes contre cette proposition, brandissez votre carton rouge et merci si vous vous abstenez, bien sûr, jaune. Je vais donc demander au scrutateur de suivre les choses. Et maintenant, nous pourrons passer au point 6 de l'ordre du jour qui est la désignation des scrutateurs et je vais donner la parole de nouveau à mon frère Véron qui va nous proposer trois personnes pour remplir le rôle de scrutateur. Nous proposons le Sénégal, l'Ouganda, l'Angola. Donc Sénégal, Ouganda, Angola. Lequel est pour le Zulu, lequel est pour le Hollandais. Nous allons y penser par la suite. Bon, le Sénégal, c'est pour le français, l'Ouganda pour l'anglais, évidemment, et l'Angola pour le portugais. Il faudrait également que les scrutateurs puissent parler chinois et autres. Vous êtes en faveur? Si vous êtes en faveur, levez vos cartons verts. Merci. Si vous êtes contre, levez vos cartons rouges. Je n'aime pas les cartons rouges, dit le président. Et si vous vous abstenez, les cartons jaunes. Merci. Voilà donc que nous en avons terminé avec ce point et nous pouvons aussi rapidement que possible passer au point suivant. Je voudrais vous montrer des vidéos pour les compétitions CAF 2021.
Je vais essayer d'aller à la recherche de café. Voilà, Kamen. Micro pour le président, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Et c'est très bien que nous ayons les membres de la famille ici. Je voudrais vous remercier parce que quand vous partirez d'ici, vous allez remporter avec vous l'image du football égyptien. Et applaudissons, s'il vous plaît, le président, le ministre qui va nous quitter. Nous pouvons maintenant passer au point 7 de l'ordre du jour, qui au point 7 petit a. Je vais donner la parole à mon frère Kamanda qui a fait un excellent travail avec Fouzi pour nous présenter le budget annuel 2021-2022 révisé. Un budget annuel révisé, bref. Il y a des présentations qui sont brèves parce qu'il y en aura d'autres qui seront plus détaillées et il y aura du travail qui sera fait à l'extérieur. Monsieur Kamanda. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames et messieurs les délégués. Je voudrais vous faire passer en revue rapidement les finances et le budget. Quand nous avons ce que nous avons fait il y a depuis 6 mois. In line with the president's commitment and the executive. Le président de la CAF et l'Exco ont mis l'accent particulièrement sur la transparence et la responsabilité afin d'assurer l'intégrité de la formation financière. Ce que nous avons devant nous, c'est que nous avons là un budget original de 190 millions de dollars, 119 millions de dollars que nous avons révisé en 134 millions. Et la raison, c'est que pour les recettes, nous sommes passés de 204 à 213 millions. Et les 9 millions de différence reviennent au nouveau contrat qui reviennent là du côté des sponsors. Nous avons connu une augmentation dans le fonds de la FIFA, de nouveau avec un budget ajusté. Nous pouvons aller plus loin encore. Nous avons une augmentation également financière. Il y a eu une réduction de 108 000, simplement parce que nous avons réussi à gérer les liquidités avec une différence de 1,7 million qui assure que la CAF va nous continuer à assurer ses obligations financières à long terme
et à court terme également. Nous sommes passés aussi de 70 millions à 71 millions pour les compétitions totales, simplement parce que nous avons une augmentation de 3 millions pour ce qui est de la distribution de prix, ceci étant appuyé par le programme Ford et les dépenses indirectes qui reviennent au coût technique de 1,3 million. Les dépenses également, et je crois que là vous êtes tous intéressés, nous montrent que les projets de développement de la CAF nous ont montré une augmentation de 2,3 millions, et ceci bien sûr est à part des compétitions. Nous avons également une augmentation des subventions pour appuyer le développement du football avec une augmentation de 200 000 à 250 000 dollars, ceci étant traduit par une augmentation de 3 millions de dollars à partir du budget original de 10 millions. Pour ce qui est des dépenses, nous avons pu suivre le budget original qui était établi à 25 millions. En ce qui concerne les changements, en résumé, notre position nette est que nous avons connu une augmentation des recettes de 13%, avec une augmentation croissante concernant les dépenses de 7%. Cela veut dire que nous sommes passés du budget original de 3 millions de moins 3 millions à un budget positif et que nous pouvons maintenant arriver à 2,7 millions. Nous pouvons dire que les finances donc de la CAF petit à petit commencent à se porter mieux et que nous arrivons à remplir nos objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons encore un long chemin à parcourir et comme je vous l'ai dit, les questions principales ici et les questions primordiales, c'est que nous avons fait beaucoup de progrès, les ressources financières et le financement. Tout d'abord, il s'agit d'accroître les contributions en termes de ce qui est apporté par la FIFA aux associations membres. Mais je crois aussi que si nous voyons les associations membres en Afrique les autres en Europe et ailleurs dans le monde, eh bien, nous remarquons que nous avons encore un long chemin à parcourir et que nous devons travailler dur. Cela donc devait vous donner des informations. Et à l'Assemblée générale annuelle de l'année prochaine, nous vous donnerons davantage de détails. Et je dois remercier HouseCoopers qui ont fait un excellent travail avec nous et qui nous ont aidés. En effet, nous devons mener à bien les finances de la CAF conformément aux pratiques normales. Est-ce que nous pouvons donc applaudir PricewaterhouseCoopers? Ceci, et nous avons ici une infrastructure très intéressante de 1 million de dollars et je vais inviter mon frère Fauzi de bien vouloir nous présenter ce programme. Fauzi. FIFA, Monsieur le Président de la CAF, chers collègues présidents des associations nationales, merci à mon cher ami Hani et Ahmed de l'accueil ici au Caire. Il faut circonscrire ce projet d'infrastructure. Aujourd'hui, le chapeau, le titre de chapitre, c'est le développement du football. C'est un engagement total parce que la réforme ou le développement de l'infrastructure,
si on ne réforme pas les compétitions, si on ne réforme pas les autres composantes de développement du football, que ce soit l'arbitrage, la gouvernance et la gestion, le développement de l'infrastructure n'a pas de sens. C'est pour dire, Monsieur le Président de la FIFA, que les autres volets que vous avez évoqués et qu'on a eu l'occasion de discuter au niveau du comité exécutif sont d'une importance cruciale. C'est véritablement capital de parler de l'infrastructure, et c'est aussi important et nécessaire d'engager les autres réformes relatives aux compétitions. Aujourd'hui, on veut de belles infrastructures dans notre continent qui répondent aux normes internationales, mais si on ne réforme pas nos compétitions, et on aura l'occasion de parler de la Super League, nos compétitions aujourd'hui des clubs ne pourraient pas, dans les meilleures conditions possibles, imaginaires, développer ou dégager des surplus. Et j'enchaîne d'ailleurs avec mon ami sur l'aspect financier pour dire que, en tout état de cause, c'est un cercle vicieux. On ne peut pas avoir de l'argent en le souhaitant, en l'espérant. C'est en travaillant et en menant des réformes profondes, je dirais bien profondes, à commencer, comme je l'ai dit, par la révision totale du format des compétitions. Et Monsieur le Président, vous avez eu l'engagement unanime de nos collègues pour entamer les grandes réformes des compétitions de la Coupe du Monde et du reste, des jeunes aussi, parce que c'est véritablement important. On vous réitère cet engagement et on serait à côté de vous pour effectivement convaincre les réticences, à mon avis naturelles, vu les écarts, les deltas aujourd'hui qui existent sur le terrain. Par rapport à l'infrastructure, on a eu l'occasion de débattre de ce sujet depuis pratiquement un an. C'est nécessaire de continuer parce que quand même il s'agit de mobiliser 1 milliard de dollars sur le marché financier et de converger vers des structures d'infrastructures dans tous les pays du continent, dans les 54 pays, surtout où ces infrastructures sont quasiment absentes, c'est-à-dire c'est la priorité, donc de les doter d'infrastructures nécessaires et minimales pour pouvoir réussir cette transition de révision des compétitions concernant que ce soit les clubs ou les équipes nationales jeunes, féminines ou masculines. Et par rapport à cela, donc, tout le travail a été fait. Il faut rappeler les fondamentaux. Donc, c'est une mobilisation sur le marché financier. C'est une création de structures qui s'occupera de cela et en matière de gestion et de montage financier et du business plan, ou en matière de gouvernance pour s'assurer, bien sûr, de très bonnes pratiques internationales en la matière. Et l'élément fondamental, bien sûr, c'est le recours à la concurrence totale. Donc, le point de départ, c'est le diagnostic. On le connaît toutes et tous. Il y a beaucoup d'insuffisances, pour ne pas dire des conditions difficiles aujourd'hui de développement, que ce soit en matière de formation ou de pratique du football au haut niveau. Donc, à partir de ce diagnostic, le choix doit se faire et on doit aujourd'hui approuver effectivement cette vision, ce principe, pour pouvoir dérouler toutes les phases techniques, à commencer par le montage du business plan, la création de structures. Et évidemment, tout le point de départ, c'est un accord entre la FIFA et la CAF, et heureusement et tant mieux qu'on a eu la FIFA depuis le départ, en la personne de son président, ses équipes du développement, qui nous ont accompagnés au niveau de la conception, de la réflexion par rapport à ce projet. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix que de commencer ce chantier structurel dans les meilleures conditions possibles, en mobilisant les ressources nécessaires et en garantissant évidemment le déploiement sur des années.
Les techniques de la mobilisation de l'argent sont connues, sont universellement connues. Donc, c'est nécessaire. Et en garantissant évidemment le déploiement sur des années, les techniques de la mobilisation de l'argent sont connues, sont universellement connues. Donc, c'est une mobilisation one-shot permettra de réaliser sur 2 ou 3 années et évidemment de l'amortir sur une maturité assez suffisante, que ce soit 20 ou 25 années. Et je pense, comme je l'ai dit, avec ça, on crée le jalon, le véritable jalon du développement, la responsabilité de la FIFA, qui on aura ensemble assuré le véritable décollage de notre football, de le mettre sur les rails. Un développement pérenne. Merci beaucoup. Le promu est devenu ministre, qui est une très grande responsabilité au Maroc, que nous perdions, nous, à la CAF, un de nos éléments les plus importants en matière de dirigeants du football africain. L'infrastructure au Maroc se développe et on m'a dit hier qu'il y a à peu près une dizaine de pays qui utilise ces installations tout à fait remarquables, car les stades dans leur pays, et nous devons travailler là-dessus parce qu'il n'y a pas de pays en Afrique qui devrait s'écarter des normes de la FIFA, c'est notre responsabilité ici, à la CAF, nous devons vraiment joindre nos efforts afin de nous assurer que chaque pays à un stade digne de ce nom. Et je voudrais vous remercier. Je suis très impressionné, je suis très heureux de voir la continuité et la participation de Fouzi au football. Il se continuera à être à notre disposition. Pour ce qui est du fonds de l'infrastructure et du projet de l'infrastructure, Fouzi en particulier dirige ses réunions à Rabat avec les présidents, les 54 présidents, et pour les réunions de l'Exco, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Je crois que vous pouvez ici soulever vos cartons verts pour nous montrer que nous sommes tous d'accord pour que les projets d'infrastructure se poursuivent. Merci. Est-ce que nous pouvons donc ici applaudir Fouzi et les autres? Maintenant, je vais passer au point 7C de l'ordre du jour. Les calendriers internationaux de matchs de la FIFA pour le football masculin et le football féminin. C'est un point très important et je vais demander à l'un de nos principaux entraîneurs qui nous a avec Hassan Wenger, nous avons également Steven et nous pouvons les applaudir car ils vont nous faire maintenant leur avantage. Let's continue clapping hands for them as they walk fast to the stage. Micro. Et les interprètes n'entendent pas les orateurs. Voilà, ça va maintenant. Bonjour tout le monde. Comme nous l'avons déjà dit ce matin avec Steven Martins, nous faisons partie du département technique de la FIFA et je suis le chef du développement mondial du football de la FIFA. C'est en cette qualité que je suis ici aujourd'hui. Je dois dire que j'ai une longue histoire d'amour avec l'Afrique, avec les joueurs africains tout au long de ma carrière. Par conséquent, je sens que j'ai une dette vis-à-vis de l'Afrique et que je dois rendre quelque chose à ce continent qui m'a donné beaucoup tout au long de ma carrière. We, as head of football development,
à foot first. Pour le développement du football, il faut se demander d'abord ce que l'on peut faire. Dans quelle forme revêt le football? Et nous allons faire ici une longue enquête pour savoir ce qui manque dans chaque pays. Et nous avons essayé d'analyser et de diagnostiquer ce qui se passe dans le monde afin de voir comment est-ce que nous pouvons aider. Comme vous pouvez le voir, dans le monde entier, nous sommes allés dans un grand nombre de pays et il y avait beaucoup de dispositifs en Afrique qui ont souscrit à une analyse de leur situation. Nous avons une coupe ouverte pour le football masculin et féminin. Nous allons voir aussi que nous pouvons voir que les équipes africaines ne sont pas suffisamment élevées. En bleu, vous pouvez voir ici. Moves a little bit within that range. And pour le football, vous voyez que si vous regardez aussi la participation des équipes africaines, la part de l'Afrique n'est pas tellement élevée. Vous avez déjà entendu ce que le président a dit, que ce n'est pas beaucoup. 10 maintenant jouent pour contre 5. C'est bien, mais lorsqu'on aura la Coupe mondiale avec 48 équipes, mais le nombre d'équipes qualifiées pour la phase finale est assez faible en Afrique. C'est pour cela que nous avons besoin. Oui, c'est acceptable. Au niveau des jeunes, pour les plus âgés, très bas, le nombre d'équipes qui vont à la Coupe du monde. Le classement se fait selon les résultats des grandes compétitions. Vous avez moins de compétitions pour les grandes compétitions, bien sûr, et les jeunes, c'est bas. Nous avons besoin maintenant de davantage de Coupe du monde avec des coupes africaines, avec des équipes africaines à la tête. Vous voyez ici du côté du développement, un élément important, c'est bien sûr, il faut s'agir de développer les structures, des structures, de bonnes ressources, avoir des plans bien conçus, un plan que vous faites avec vos joueurs. Et lorsque vous voyez avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est ce qu'on faisait en Afrique est bon. Les analyses maintenant, s'il y a dans la plupart des centres, il y a des directeurs. Oui, c'est dans la plupart des... Mais le personnel technique est assez faible par comparaison aux autres pays. Donc, on a besoin d'un bon personnel pour bien préparer les équipes pour qu'ils soient plus enthousiastes pour les tournois. Oui, bien sûr, ils sont assez isolés, comme vous le voyez, et leur structure organisationnelle est relativement faible. Et le directeur technique n'assume pas la pleine responsabilité pour la gestion exécutive, avec il a un pouvoir assez limité à travers l'organisation, ce qui est bien sûr très nuisible. Mais je vois que Fauzi, dans le stade, m'a parlé de 1 milliard à l'infrastructure pour les centres de formation, est aussi un élément très important. Si vous regardez ici aux équipes nationales, comment elles sont construites, si vous regardez les jeunes aussi bien que les seniors, si vous voyez, nous allons vous montrer simplement quelques éléments. Il y a-t-il des informations pour voir où sont les meilleurs talents? Et si oui, nous voyons ici pour les femmes, pour les jeunes, beaucoup de oui, nous devons savoir que la première amélioration d'un pays, pour un pays, c'est de commencer par identifier les jeunes talents, de savoir où se trouvent les plus talentueux. Et tant que vous ne faites pas cette performance, le reste ne va pas fonctionner. Oui, bien sûr, vous voyez que les meilleures équipes, oui, nationalité, analyse de performance jeune, et pour les femmes aussi, tous ces éléments jouent un rôle pour que on puisse vraiment bien s'organiser pour la Coupe du Monde. Et il faudrait aussi s'assurer que les équipes sont bien préparées pour participer à la Coupe du Monde. À nouveau, ici, voici les
résultats pour internationaux, mais entre les jeunes et les équipes seniors plus âgées, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la transition depuis les jeunes aux plus âgés est absolument essentielle, cette phase de transition. Bien sûr, vous avez également ici sciences, médecine, bien sûr, peu ou pas de rien pour les équipes féminines. En Amérique, le classement pour, en Afrique, le classement pour les femmes est en train de baisser. Si on parle d'équipe nationale, il y a les compétitions locales. Vous avez l'idée ici de que les équipes partent, mais il faut avoir un environnement qui soit la base. La plupart des pays en Afrique ainsi que dans d'autres régions du monde, le département compétition doit connaître les stratégies à la base, et bien sûr c'est la clé. Mais on a besoin de savoir également quels sont les meilleurs joueurs et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les équipes nationales. Bien sûr, c'est quelque chose qui est absolument vital. C'est la structure des stratégies à la base pour les entraîneurs. Oui, c'est très important. Si vous regardez, environ 50% des pays, il y a deux compétitions simplement pour les jeunes. Et malheureusement, ces deux compétitions, comme l'a dit, ne peuvent pas parvenir à la Coupe du Monde. Il faudrait que les compétitions des jeunes soient prises en main dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent arriver à l'âge où ils vont participer. Donc, on parle ici d'aider, mais ce n'est pas une aide réelle. Les compétitions locales sont importantes, mais comme je dis, le développement des talents, et lorsqu'on voit bien sûr beaucoup de talents, vous savez, en Afrique, vous avez fait aussi l'analyse dans le monde et comment les séances de formation. Avez-vous travaillé avec Jean-Mario? Il disait, même s'il ne joue pas tant de matchs, c'est important qu'il soit entraîné. Le nombre de séances d'entraînement est très important, très important. Il faut analyser dans le monde entier, c'est le nombre de séances de formation. Et c'est une différence entre les 20 pays top au sommet et les autres pays en ce qui concerne le nombre de séances. 250 sessions de formation pour les très jeunes, mais ce chiffre est très bas en Afrique. 12-14 matchs internationaux, et dans les pays plus petits, c'est 4 jeux internationaux par année. Et c'est une énorme différence d'expérience. Oui, c'est pour ça. C'est ce que nous devons faire. Et pour le futur, l'avenir du football, il faut avoir davantage de tournois pour les jeunes, davantage de participation, parce qu'il faudrait donner l'opportunité aux meilleurs joueurs de jouer plus fréquemment. Maintenant, nous avons aussi l'enjeu des académies, avec les académies privées en Afrique. Oui, le nombre d'académies privées. Il faut savoir en quoi elle consiste. Parfois, c'est dans un très bon objectif. D'autres fois, c'est juste pour gagner de l'argent. Et je pense que le danger de ceci, c'est que les fédérations doivent maîtriser cela. Ne doivent pas s'éloigner, s'écarter. C'est pour cela que je suis convaincue que nous avons perdu tant de bons joueurs parce qu'ils sont vendus trop tôt à l'Europe, lors de le développement. C'est pour cela que, et c'est très important, la fédération doit avoir en main le contrôle des académies dans le pays. Oui, et c'est aussi que tout ce qui est panafricain doit être important, parce que pour maintenir le plus longtemps possible en Afrique les jeunes joueurs les plus compétents. Mais vous voyez maintenant, le vrai
si nous voyons ces jeunes joueurs, comme nous voyons par exemple, nous avons analysé le coût de ce que vous payez et que, ce qu'on voit de l'Afrique en Europe. Ce qui était intéressant pour moi, c'est de voir ce qui se passe avec le second transfert. Le premier transfert en moyenne de l'Afrique vers c'est 200 000 euros et pour le deuxième 2,8 à 3 millions d'euros. Cela signifie que c'est fait multiplier par 10 du premier au deuxième transfert et les gens qui ont éduqué ne sont pas récompensés. C'est la raison pour laquelle le super leader africain est très important. Un autre élément pour le développement, c'est la qualité des entraîneurs. Nous avons travaillé tous ensemble avec la CAF pour avoir un département d'entraînement dans chaque pays. Et comme nous avons déjà dit, nous pouvons ainsi que le personnel dans le pays n'est pas suffisant. Dans d'autres pays, il n'y en a pas le besoin pour les gens qui travaillent pour entraîner, pas simplement des entraîneurs techniques, mais d'offrir le bon niveau d'éducation. Et c'est un diplôme est absolument absent pour l'instant en Afrique. Oui, je veux dire que la qualité des entraîneurs, c'est une carrière. Pour avoir des entraîneurs de qualité, de bon niveau, c'est très difficile. Mais à 17, 18, c'est trop tard. Il faudrait faire un grand effort pour éduquer les gens, pour pouvoir entraîner les jeunes joueurs. L'un des challenges maintenant, c'est donner toutes les qualifications. Mais je pense que dans une société moderne, il s'agit de forger un caractère pour qu'il soit capable d'être en compétition. Mais c'est quelque chose que l'on doit inculquer dans le très jeune âge, le respect du jeu. C'est quelque chose qu'on inculque à un âge très jeune. Bien sûr, il vous apprend comment, mais il faut un effort lorsqu'il s'agit de l'éducation d'un entraîneur de qualité. Oui, les compétitions sont importantes, elles vous aident aussi, et vous assumez la responsabilité de ce qui est bon pour votre pays particulièrement. Nous avons un rapport pour toute association membre, pour toute fédération, et maintenant, dans 23 pays, nous avons déjà distribué des rapports, et dans d'autres, nous avons commencé à présenter des rapports. Comme vous l'avez vu au début, 54 pays de la CAF ont participé dans l'analyse pour les prochaines semaines et mois, jour par jour. Nous allons présenter les rapports. C'est très important pour vous en tant que secrétaire général et président que si vous le savez, parce que ce sont des rapports individuels qui vont vous permettre de penser à réfléchir à l'étape suivante. Nous faisons la présentation maintenant, nous préparons la prochaine phase qui est celle de développement des qualifications et pour cette raison, nous allons essayer d'optimaliser les valeurs en 22, discuter avec vous, collaborer avec vous et faire des plans à long terme parce que le développement des talents est une planification à long terme. Et je pense personnellement que c'est une réaction de 5 années entre le début du lancement et le résultat qui va être une récompense. 5 années semblent très long, mais c'est très efficace. Et vous allez voir plus tard comment nous voulons agir. Oui, nous aurons 25 pour l'année prochaine. Vous vous dites que vous voulez de l'argent, c'est ce qu'a dit avec les présidents qui sont là. Oui, l'argent sera disponible pour vous, mais le programme pourra être plus grand à l'avenir. Et c'est ce dont nous parlons lorsque nous parlons de 2020-2023. Et voici notre conclusion globale. Nous avons besoin de financement, bien sûr. Nous avons besoin de collaboration à long terme, de planning pour les stratégies. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide pour ce faire, mais nous sommes prêts à envoyer nos experts dans vos pays pour éduquer vos
vos entraîneurs pour, et également vous avez accès aux ressources d'éducation de la FIFA. Et au mois de novembre, nous avons lancé notre centre d'éducation et de formation où tout le monde est accepté. Nous avons 20 sessions. Vos entraîneurs peuvent y avoir accès, voir comment on développe des bonnes séances d'entraînement. Nous sommes prêts à étendre nos connaissances à tous les membres de l'association. Nous allons jouer maintenant, vous présenter un film de 2 minutes pour vous expliquer en quoi il s'agit dans ce centre de formation. All over the world, you know, this program, this FIFA Training Center is basically an academy online. C'est une académie en ligne où on voudrait que tout un chacun tire avantage, surtout parce que nous éduquons les entraîneurs, les joueurs. Nous avons toutes les séances de formation et nos analyses en ligne pour aider tout un chacun à s'améliorer. La FIFA assume sa responsabilité d'éduquer les gens à travers le monde et c'est l'un des principaux instruments. Nous sommes dans le pays, mais nous avons une équipe globale qui s'adresse au monde entier. Vous voyez, il y a un écart très grand entre ceux qui travaillent et ceux qui voudraient le faire mais qui n'arrivent pas. Eh bien, nous avons analysé nos équipes pour la formation des talents, comment ils travaillent et comment, en d'autres termes, au niveau de l'entraînement, des championnats, et comment on peut les aider à agir. Et le meilleur résultat que nous obtenons, c'est comment on peut non simplement voir ce qui se fait, mais les préparer pour, à travers l'environnement, à travers toute cette formation, et informer aussi que nous avons une banque d'informations. Cette banque d'informations, avec tout un environnement en ligne, accessible à tous, à tout moment, les jeux, pour intégrer tout le monde, c'est pour cela que nous utilisons c'est ce système parce que c'est également l'environnement social qui doit être accessible. Nous essayons d'éduquer tout le monde. Tout un chacun a pourquoi ces équipes vont à telle compétition. Et puis, on transfère ceci au centre de formation et on vous montre comment ceci va se passer. Ceci est accessible à tout le monde. Je suis heureux de vous le dire parce que nous essayons de vous montrer comment les séances de formation travaillent. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir d'être au Maroc, de travailler avec les équipes nationales. Merci Fawzi pour tout le support des joueurs. C'est ce que nous voulons avoir. FIFA pour continuer à croître, pour vous donner davantage d'informations. Maintenant, nous avons parlé du besoin d'action. Je pense que vous et moi, avec notre habilité, nous avons vu que c'est possible tous les 2 ans. Pour les équipes masculines, est-ce la même chose pour les équipes femmes féminines? Est-ce que vous proposez que pour les jeunes, ils jouent tous les ans, les U17, les U18, les U16? Pour les U20, il y a davantage d'accès. Pouvez-vous maintenant nous dire comment? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous allons montrer une vidéo dans un instant. Mais parlez-nous de quelques expériences. Tout d'abord, vous consultez le monde entier et à travers
les années, comme le président a travaillé très fort pour avoir les opinions de tout le monde, on est arrivé à la conclusion que c'était possible. Et lorsqu'une compétition a lieu, possible pour avoir la possibilité d'être en contact avec les top niveaux, c'est une très grande et meilleure. Oui, c'est pour cela que vous demandez aux équipes nationales de travailler et d'avoir des compétitions nationales plus fréquentes. Oui, nous sommes là pour parler de cela, du côté football. Du côté football, il y a beaucoup d'intérêt parce que cela fait que les qualifications sont... Vous pouvez jouer pour la Coupe du Monde tous les deux ans. Il y a une combinaison que vous pouvez jouer tous les ans avec vos équipes nationales. Faites la même chose pour les équipes féminines. Et même, on peut voir la vidéo qui explique tout ce que nous sommes en train de dire et quel est l'intérêt de ce que nous faisons. Cadre de l'objectif d'amélioration du football. Cette proposition inclut notamment la possibilité d'organiser la Coupe du Monde tous les deux ans. Le cycle quadriennal actuel fonctionne très bien, mais il a été instauré il y a près de 100 ans. Or, le football international a considérablement évolué au cours de cette période. Ce rythme a également privé nombre de grands joueurs d'une participation à cet événement rare. Toutefois, comme le montrent de nombreuses autres compétitions, la fréquence bisannuelle n'est pas synonyme d'une perte de prestige. La proposition de réorganisation des rencontres amicales et des matchs de qualification permettra aux clubs de disposer de leurs internationaux pendant une vingtaine de jours supplémentaires par saison. Grâce à cette initiative, la saison des clubs pourrait s'achever plus tôt et permettre l'organisation d'une compétition internationale au mois de juin. Il pourrait s'agir d'une Coupe du Monde ou d'une compétition continentale, selon les préférences des confédérations. Les compétitions actuelles, telles que les Ligues des Nations et les compétitions continentales bisannuelles, n'auraient pas besoin d'être modifiées. Tous les revenus supplémentaires générés par une Coupe du Monde bisannuelle seraient reversés aux Coupes du Monde de jeunes et aux programmes mondiaux de développement des talents en matière d'éducation et d'assistance technique, supervisés par Arsène Wenger. L'annualisation des Coupes du Monde de jeunes, couplée à la création des catégories U16 et U18, fournira aux jeunes talents une plateforme régulière d'acquisition d'expérience en vue de la Coupe du Monde U20, actuellement organisée tous les deux ans. Grâce à ces nouvelles propositions, les supporters pourront vivre la ferveur d'une Coupe du Monde plus fréquemment. Un plus grand nombre de joueurs pourront connaître le très haut niveau et des fonds plus conséquents pourront être investis dans le développement du football à tous les niveaux. You know that we will have Arsène, we work. Vous savez que nous avons travaillé pour que toutes les associations membres arrivent au sommet. Et ceci en décembre, notre président va l'abriter. Nous allons essayer de vous expliquer comment nous avons progressé parce que nous allons parler à toutes les confédérations, à de nombreux clubs, aux joueurs. Donc nous allons donner toutes les informations nécessaires concernant les football masculin féminin. Votre présence est très importante, non seulement votre présence même virtuelle, mais que vous soyez d'esprit avec nous. Je voudrais aussi vous rappeler quelque chose que vous connaissez, mais que parfois vous oubliez. Dans 214 pays, nous avons jeté un regard pour voir qui sont les 20 top pays. Nous sommes arrivés à une conclusion. Il y a une énorme corrélation entre la qualité du travail, les équipes de jeunes et les résultats de ces jeunes. Ces 20 top équipes du pays avait le meilleur programme de développement des jeunes dans le monde. C'est une question tout à fait mathématique. Il ne faut pas oublier cela. Et c'est mon principal message. N'oubliez pas que la qualité de ce que vous faites, ce sont les équipes de jeunes qui vont en bénéficier et qui nécessairement feront le lien avec le succès final. Et
est la principale information. Tous maintenant être ensemble pour un avenir meilleur du football. Merci. Si, une minute, s'il vous plaît. Merci pour votre présentation. Je voudrais maintenant savoir si vous avez des questions, si quelqu'un a des questions. S'il y a des questions à poser. Bon. Il faut les applaudir. Merci beaucoup, Arsène, Stephen. Et maintenant, je vais demander à notre ami Sedou de bien vouloir venir ici au podium et de vous soumettre les résolutions que nous proposons à l'Assemblée. Applaudissons le président. La FIFA, la CAF, messieurs les ministres, ministres d'État, chers collègues du comité exécutif, l'excellent travail que effectue l'équipe Wenger, chers collègues du comité exécutif, très haute personnalité ici présente et très chère de l'équipe Wenger, qui est excellent travail qui vient de nous présenter et qui met en exergue justement les carences du développement du football dans le continent, mais qui montre aussi également qu'à travers ce projet, on pourra réduire l'écart qui nous sépare avec les grandes nations du football. Mais il a aussi abordé la question du calendrier, qui est une question fondamentale, qui permettra aussi de révolutionner le football, qui en a tant besoin. Je suis donc honoré, il me revient de lire la résolution importante suivante, qui concerne justement la question du calendrier. Il s'agit de la résolution numéro 2021-2 du 26 novembre 2021. 1. La CAF adhère à la décision du congrès de la FIFA de mener l'étude de faisabilité. Si les résultats de l'étude de la FIFA concluent que c'est faisable, la CAF soutiendra... Appuyez la résolution, soulevez vos cartons verts, s'il vous plaît. Oui, très bien, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de cartons verts, pas de cartes rouges, abstention, carte jaune. Très bien. Je voudrais demander aux scrutateurs de suivre le processus, mais de toute façon, le processus a été adopté. Maintenant, nous en venons au point 7, petit demandé à mon frère Yahya de bien vouloir nous présenter ce projet. Notre deuxième vice-président, applaudissons-le. C'est le président de la CAF, c'est le président de la FIFA, général, honorable président délégué de la CAF, des fédérateurs, de vous présenter cette résolution relative à la Super League. M'ont fait l'insigne honneur. Cette Super League aura certains, notamment des compétitions de haut niveau. Nos joueurs auront à jouer des matchs plus importants. Un intérêt déjà manifesté ce qui résultera certainement de plus de recettes, plus de moyens financiers. Par conséquent, nous demandons à l'Assemblée générale de reconnaître l'avantage potentiel d'une Super League panafricaine et encourager l'Exco de la CAF à poursuivre son étude et ses investigations et à finaliser son plan pour le lancement. Je vous remercie. Contre les cartons rouges, merci. Abstention, carton jaune. La résolution est adoptée à l'unanimité. Et les scrutateurs continuent à suivre le processus. De l'ordre du jour, extension des mandats des présidents et vice-présidents des organes juridictionnels de la CAF pour une période pouvant aller jusqu'à 30 jours.
suivant l'Assemblée générale ordinaire de la CAF de 2022. Et pour ce point à l'ordre du jour, je vais demander à mon frère le vice-président et je vous prie de l'applaudir. Il s'appelle Augustin. Si tu as les papiers, dis-le. Sénégal. Un collègue du comité éthique, j'ai l'avantage au nom du comité éthique de soumettre une commission importante. De couleur foncée. Dans l'institution qu'est la CAF, c'est-à-dire la CAF exactement, le 2 février 2018. Réunion, en février 2022, ils auront bouclé les 4 ans de mandat. Il se trouve qu'à cette période, je souhaiterais soumettre aujourd'hui à l'Assemblée générale prochaine, en 2022. Et pour ce qui concerne la durée, nous avons proposé qu'elle soit fixée à 1 mois après cette Assemblée générale. Merci beaucoup, mon frère Sengo. Merci beaucoup. Does anyone have any questions? Are there any questions? If not, can we then vote on this resolution? If you are in favor of this proposal, please raise the green card. The green card. This proposal, please raise your red card. L'unanimité et nous applaudissons. Mais il s'agit du point 9, qualification à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Il y a là d'excellents. Merci. Le chiffre très élevé, de même que des niveaux de production de haut niveau. Une distribution peut-je suivre une équipe de Somalie en Suisse, et ceci grâce à cette nouvelle approche. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici la croissance. Pour 2022, il y a une augmentation de table et qui nous montre une augmentation de 15%. Nous devons vraiment lancer 1,6 millions. Maintenant, avec la nouvelle approche, trouvez l'erreur, disons nous en français. Par conséquent, ici, les dépenses étaient de l'ordre de commission, d'ailleurs. Approche, il y en a eu davantage. Nous avons un total de 36 dollars distribués aux associations membres, donc une augmentation de 41,2% par rapport au contrat précédent. Merci beaucoup. Et pour conclure, cette façon dont ils seront distribués, je voudrais simplement dire ici que mais la FIFA, qu'est-ce qu'il a gagné? FIFA a gagné 0 francs. On doit être clair là-dessus, à part les frais de production qui a été mentionné. Voilà donc une approche tout à fait extraordinaire pour nous. En Afrique, comme vous le savez, nous avons beaucoup d'amis à l'étranger, et cette approche va nous montre combien aussi. Merci beaucoup, nous félicitons et remercions Véronne. J'ai passé tellement de temps à voyager que je suis obligée de me compter sur beaucoup de gens pour qu'ils suivent, et ceci au bénéfice du football africain. Y a-t-il des questions là-dessus, sur cette présentation qui a été faite par mon frère Véronne? Merci. Si ce n'est pas le cas, et qui concerne la qualité, l'intégrité, la crédibilité de la CAF et la FIFA. Et ceci grâce au leadership de notre frère Gianni, ceci ayant beaucoup bénéficié
au football africain. On appelle ceci le programme STAR et je vais demander au meilleur arbitre existant de bien vouloir nous faire cette présentation. Mais vous devez et dire à nos fils et filles qu'ils ont d'excellents gènes et que leurs pères les ont précédés. Et Luigi Collina, s'il vous plaît, venez nous faire cette présentation. Merci, Monsieur le Président, à cette Assemblée générale extraordinaire, afin de pouvoir mieux illustrer le projet de coopération entre la CAF et la FIFA. Je vais peut-être en deux mots vous rappeler quelque chose. Nous avons dit qu'il y avait des objectifs. L'objectif de la CAF qui était d'avoir une équipe africaine qui bientôt assure le succès du football africain. C'est un moment historique pour le football africain. Il y avait ce moment historique déjà il y a 25 ans. Il s'agissait d'Athènes contre une petite ville en Géorgie aux États-Unis. Et c'est le Nigeria qui a gagné les Jeux Olympiques et c'était vraiment le premier grand succès du football africain. J'étais là, c'est pour moi un souvenir que je ne saurais oublier. Autre chose, je ne suis plus sur le terrain en tant qu'arbitre, mais il y a d'excellents arbitres. Donc nous avons ce projet STAR. Le projet STAR est appelé ainsi parce que STAR, une étoile, c'est quelque chose qui brille très fort. C'est donc là le sens. Pour être une star, une étoile, il faut de l'initiative et il faut travailler beaucoup, il faut travailler très dur tous les jours. La FIFA est très certainement engagée à appuyer les stars, les étoiles arbitres d'aujourd'hui et aider également à développer celles de demain. Monsieur le Président, vous avez parlé de l'avenir du football africain, disant qu'on essayait de l'amener au niveau le plus élevé. Nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas des arbitres au même niveau. Par conséquent, grâce à ce projet, nous voulons assurer que le niveau des arbitres en Afrique va se développer au même niveau que le football qui se développe dans le continent. Pour ce faire, nous avons besoin de professionnaliser la préparation des arbitres et de leur donner l'entraînement le plus moderne possible et les pratiques de développement. C'est ce qu'on en a dit pour les jeunes il y a quelques minutes. Nous devons le faire aussi pour les arbitres. Nous devons non seulement examiner les arbitres d'aujourd'hui au plus haut niveau, mais aussi nous devons examiner l'avenir et essayer de développer l'avenir des arbitres et de l'arbitrage en Afrique. Nous avons besoin d'efficacité, il nous faut donc des normes améliorées, une préparation améliorée. Nous voulons que les arbitres prennent part à ce projet en termes d'éducation, de disponibilité, d'entraînement, de compétition, de même que de disponibilité auprès des associations membres de la Confédération et de la FIFA. Il faut également pouvoir rendre quelque chose aux autres, en particulier aux jeunes arbitres dans les associations membres, car ils pourront à leur tour devenir des instructeurs une fois qu'ils auront appris tout ce qu'ils doivent. Les points clés, et par conséquent, vont nous permettre
d'identifier les 24 candidats dans le continent qui participent à ce projet. Et nous allons le faire ici en examinant la qualité la plus élevée, aussi bien pour le football masculin que féminin. Il y aura bien sûr une question de paiement qui sera engagée. Le président a mentionné qu'il fallait leur donner un appui économique afin de les encourager et de les amener à devenir plus professionnels, investissant ainsi davantage de temps dans l'arbitrage. C'est quelque chose qui n'est pas garanti pour tout le monde. Il y aura des évaluations annuelles. Et le fait de participer à ce projet veut dire qu'il faut essayer de gagner grâce à la performance et à l'engagement. Nous avons identifié, ce n'est pas encore décidé, mais nous allons bientôt identifier un emplacement où nous allons installer cette académie et nous voulons que celle-ci fonctionne non seulement pour les jeunes, mais également pour les arbitres les plus qualifiés. Les arbitres pourront alors se rendre une ou deux fois par an à cet endroit pour suivre des séminaires. Ceci, bien sûr, se tiendra en théorie dans une salle de classe, mais également il y aura un entraînement sur place, sur le terrain, car nous sommes convaincus, et notre idée ici, c'est que les arbitres doivent savoir ce qu'est le football, doivent connaître leurs équipes, les joueurs, ils doivent gagner la compréhension des footballeurs et ils doivent vraiment pouvoir bien agir sur le terrain. Il faudra également s'occuper de leur santé, de leur forme physique, et c'est ainsi que nous pourrons leur apporter l'appui nécessaire dans ce sens. Et également, comme l'a mentionné le président Infantino, le VAR joue un rôle très important dans le développement des arbitres et de l'arbitrage en Afrique, de même que d'autres genres processus tels que VAR Light, qui permettra à beaucoup d'associations membres de participer aux compétitions. Je voudrais vous montrer ici nos arbitres en préparation d'un séminaire, à savoir en préparation de la Coupe mondiale de 2022. Montre-nous donc la vidéo, s'il vous plaît.
être fait pendant les séminaires à Star Academy. Et il y aura bien sûr un suivi par la CAF, par la FIFA, et les performances ici seront perçues par les au niveau des associations de la FIFA, de la CAF, avec un feedback qui reviendra à la Star Academy et qui va aider, comme je l'ai dit, aux instructeurs FIFA, CAF, de s'assurer que les arbitres sont suivis continuellement pendant toute l'année. C'est très important également d'accorder de l'attention à la santé, et parce que si on n'est pas en bonne santé, et l'arbitre ne pourra pas bien faire son travail. Des blessures ou autre, c'est quelque chose qui arrive, ça en a besoin d'apprendre, parce que parfois il n'accorde pas suffisamment d'attention à une petite blessure ou à une entorse. Et bien sûr, il a leurs droits qui seront pris dont on fera attention pendant. Et le projet, comme j'ai déjà dit, n'est pas là simplement pour les étoiles d'aujourd'hui, mais pour l'avenir. On a besoin de former une nouvelle génération de top arbitres. On a besoin d'investir en créant ces nouveaux arbitres qui seront les étoiles du futur. Et c'est pour cela qu'il y a des séminaires pour les groupes des jeunes arbitres qui y participent pour développer leur qualification. L'intérêt que nous voulons atteindre à travers ce projet, c'est bien sûr d'améliorer l'arbitrage à tous les niveaux. C'est une démonstration de l'engagement à l'égard de l'Afrique, à l'égard du football africain. En 1998, c'était assez longtemps. Les arbitres étaient partis pour Paris. Je pense que chaque organisation doit travailler avec cet objectif en tête pour que les arbitres puissent rester là et qu'à l'avenir, les arbitres puissent avoir accompli des performances qui sont obtenues. Et une fois de plus, nous avons besoin de préparer non seulement les top arbitres d'aujourd'hui, mais les top arbitres de l'avenir. Il est temps maintenant d'avancer le président de la CAF. Let's clap. Pour signer l'accord. Oui, nous allons d'abord commencer par les applaudir. Oui. Et d'avoir des arbitres africains du continent qui travaillent ensemble pour qu'un arbitre africain puisse. C'est vraiment superbe. Merci beaucoup. Et bien, c'est un grand honneur maintenant pour la CAF, un grand honneur pour le football africain de signer ce partenariat entre la CAF et la FIFA. Et cela, des nombreux partenariats établis tout au long de l'année pour qu'ils deviennent les meilleurs du monde. Nous allons les applaudir pendant qu'ils signent. Et je voudrais avoir aussi de bons arbitres pour s'assurer de ce que je vais signer maintenant. You've done these things many times. Okay, thank you so much.
Thank you. Can we please clap hands, please? Merci. Applaudissons, s'il vous plaît. C'est votre document. Levez-vous, s'il vous plaît, et nous allons applaudir tous les membres. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous avons presque terminé. Très rapide sur le football scolaire, puis nous aurons des remarques finales, puis le déjeuner et pour hors de ce travail, donc le dernier point, nous allons voir tous les 54 présidents au Cameroun, parce que nous essayons de les inviter tous à l'inauguration. Nous voulons inviter tout un chacun des 54 présidents africains et associations membres à être représentés et présents au Cameroun, parce que lorsque les compétitions commencent, tous les pays sont là. L'hébergement, bien sûr, c'est un petit peu une difficulté, mais nous allons voir. Mais pour les finales, je vais inviter tout un chacun des 54 présidents et je pense que nous allons confirmer la date et parler de ce qui concerne le progrès. Et maintenant, nous allons projeter très vite une vidéo sur le championnat scolaire du football panafricain. The game of football is part of Africa's song. The passion and the joy that it brings to millions of Africans unites us as people and brings us hope. The Pan-African Schools Football Championship in 2022 will completely change the landscape of the game across our incredible continent. The Pan-African Schools Football Championship will be run in three structured sections. Firstly, our 54 member associations, in collaboration with their relevant local authorities, will run national schools tournaments with the registered schools. Next, the very best teams will move into six zonal school tournaments. Finally, our zonal winners will move on to contest the continental stages, where ultimately, we will crown a boys' team and a girls' team as the inaugural winners of the Pan-African Schools Football Championship. The Pan-African Schools Football Project is backed by both FIFA and the African Union. They understand the power of football and how it can shape society. The Motsepe Foundation has donated $10 million that will be awarded to the winning school to fund their needs. CAF will support the member associations that will register to participate in the competition with monetary and equipment support to prepare and deliver their national championships. Together, we can shape Africa's future,
one football match at a time. The CAF president, Dr. Patrice Motsepe, expressed his gratitude to the FIFA president, Gianni Infantino, for his support and commitment to developing the Pan-African Schools Football Championship. Of our proceedings for today, and a deep gratitude on behalf of the CAF leadership, our vice presidents, thank you so much, our EXCO members, and also on behalf of every single one of the 54 member associations. Gianni, thank you so much for being here and for your support. Arsene Wenger and Massimo, thank you so much. And Pierluigi, Steve Martins from FIFA. Our ministers from Cameroon, thank you so much. And our brothers from Egypt. Hani, thanks for the wonderful food. Hani gave me so much meat yesterday. Thank God. I was told that I must become a vegetarian. Now, I don't know. In Africa, we grew up eating meat. And so the food was very, very good. And thanks. I'm going to ask that we just, in the new culture in CAF, close this meeting with a prayer, a silent prayer by all of us, to thank God to thank Allah for, to donner espoir à tous ceux qui sont au chômage et les aider. Prière, s'il vous plaît. Thank you so much. See you in Cameroon. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Nous nous revoyons au Cameroun. Merci. Au revoir. Thank you. Thank you so much. See you in Cameroon. Merci beaucoup. Thank you.